Forginote. Coucou les On espère que vous allez bien. On est arrivé à quel jour de notre calendrier de l'Avent là? Le 3 décembre. Le 3 décembre, dimanche 3 décembre. Donc on va ouvrir nos petites cases. Donc Corentin va vous montrer ses jolies mains pour ouvrir son calendrier Mario. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ah, ça va le comment déjà? Daisy. Tu la tournes qu'on voit son cul? Yes. Ah oui. Bah, t'auras le temps de nous ouvrir le paquet, on la verra encore mieux. Donc voilà, Daisy pour Corentin. Thibaut va nous montrer ce qu'il a eu comme casse-tête. Donc il est où ton numéro 4? Attends, j'arrive. Ouais, 3, pardon. Alors où est ton numéro 3? Yes. C'est un petit chat. Un truc en métal. Oh, aujourd'hui c'est en métal. J'ai l'impression que tous les jours il y a un truc. Au début c'est métal, bois. Ah ben on va voir si t'as raison les prochains jours. Alors est-ce qu'il va arriver à nous déverrouiller ce truc? Pendant ce temps-là, peut-être que Daisy est ouverte. Oh ouais, on la voit mieux là. Oui, oh bah oui, elle est jolie. On va avoir une sacrée collection de figurines. Il y a un petit début. Tu peux. Alors, bon, on va le laisser continuer son casse-tête. Pendant ce temps-là, Ninon, elle va nous ouvrir son puzzle. Alors, on est arrivé au jour 3. Oh, le chien, il dit et moi, allez. Ah, tu sais que t'en as un aussi, hein? Bah oui. Bientôt. Allez, Thibaut, il va nous trouver la façon d'enlever ce casse-tête. Non, je crois déjà avoir les solutions. Ah. À la fin, vous aurez le complet. Elle vous montre. J'ai juste réfléchi 2 secondes, hein. Il était fait. What? Attends, mais quoi? Thank you.
la partie numéro 3 du puzzle de Ninon. Bravo Ninon. Maintenant, elle s'attelle à essayer de réenclencher le casse-tête de Thibaut. Donc, on verra si elle y arrive. Mais en attendant, avec Thibaut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le calendrier de Will. Chien. Voilà, son chien. Donc, il va trouver la case numéro 3. Déjà, là. Une, là, deux. Une première. Ah bah, ça se suit, ça se suit. Eh ben, après, non. Non. Le 4, il n'est pas collé au 3. Hein. Donc en dessous, vous voyez, ça c'est grand-père qui est en train de faire du diamond painting. Et oui, il a eu des petites étoiles. Ah bah, c'est à chaque fois que c'est Thibaut, il y a des petites étoiles. Alors il va aller chercher le ciseau pour bien ouvrir. Ah non. Va chercher la part ciseau, ce sera plus simple. Voilà, il est quand même joli hein, ce calendrier. Allez, c'est parti. Voilà. C'est un peu plus grand. Ouais, parce qu'elles sont quand même là, assez de belle taille. Bon, là, c'est un peu trop grand, là. Et là, il y a combien d'étoiles, alors? 4, comme la dernière. 4. Hier, c'était 4 cœurs. Et montre les étoiles, comment elles sont faites. Ah ouais, elles sont vraiment jolies. Donc, t'appelles ton chien? Oui. Oh, regardez qui est là. Derrière le Tankerville. Oui. Oh. Voilà. Là, il va se régaler. Hein. Et là, on va trouver la case numéro 3. Numéro 3 pour Mémé, son chocolat. Donc, on va aller lui amener. Donc, on essaie de le chercher. Ah, ben le voilà. Ah, c'est l'heure de la sieste. Toc, toc, toc. Madame, vous avez votre calendrier de l'Avent. Pour avant Noël, on cherche la case numéro 3. Est-ce que tu trouves le numéro 3? Tu me dis si tu vois du 1-3. Hein. Là, c'est 23, ça, c'est ton anniversaire. Hein. Ouais. Mais là, c'est 1-3 qu'il faut qu'on cherche. Ça, c'est quoi? Comme numéro? Où j'ai mon doigt? 20. Là, ici, regarde où j'ai mon doigt. 3. Ouais. Tu peux ouvrir ton... Vas-y, ouvre. Tu veux ouvrir ou je te l'ouvre? Bah, ouvre. Et voilà ton chocolat. Ça, c'est bon, hein. Donc, on va voir ce qu'elle a eu aujourd'hui. Oh, un cœur! Un cœur avec, c'est quoi dedans? C'est un Père Noël avec une hotte. Et voilà, madame. Merci. À demain pour la case numéro 4. Ouais. Voilà. Donc voilà, elle a eu un cœur avec le Père Noël, avec sa hotte. Et Will y a tout mangé? Ouais. Punaise. Bon bah voilà. Est-ce que Nino a terminé le casse-tête? Voilà, ouais. Ce qui nous reste. Montre-nous. Oh bah elle l'a retiré. Bah oui, pour faire un trait. Ah. Alors montre-nous comment est-ce que tu l'as remis. Casse pas ma couronne de l'avant. Hein. Enfin, ma couronne, ma planche de l'avant. Donc, vous voyez, ce qui est bien enfin, pour Thibaut, c'est qu'il y a quand même tous les tutos. Mais il m'a dit, maman, l'année prochaine, on prendra pas un casse-tête. Parce que là, cette année, ils sont... Hyper durs. Hyper durs, ouais. Plus jamais je vais en faire cette année. Bon, cette année, tu vas les finir quand même, hein. Tu l'as choisi, hein. Bah ouais, je vais peut-être faire un encore. Oui. Oh, vous voyez comme il est sympa, il pense à mon porte-monnaie, cet enfant. Oh, je vais pas te faire perdre encore plus d'argent. Ah, c'est juste que c'est bien les cassettes, après tu y arriveras.
Mais c'est extrêmement compliqué. À moins que ton frère veut changer avec toi et prendre les casse-têtes et te donner Mario. Hein. Ouais, non, ouais. Et bien voilà, elle a réussi. Et bah, c'est franchement la championne. Hein, Thibaut, tu peux le dire quand même, là. Et voilà. Donc là, je vais vous mettre la neige. On a eu de la neige, donc vous allez voir la neige. Et puis, vous montrer aussi... je sais plus, j'avais fait un truc et je me rappelle plus ce que j'avais. Bah voilà, vous le verrez après. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la partie numéro... 4. Yes. Eh bien, passez une bonne journée, un bon dimanche à tout le monde et des gros bisous. Bye bye.